Deze felgekleurde lentecollectie van het Waalse kledingmerk J&Joy is heel binnenkort in Vlaanderen te koop in de Zepwinkels. Eindelijk zou je kunnen zeggen, want J&Joy veroverde eerst al Europa en zelfs Taiwan voor het naar Vlaanderen kwam. Qu'à Taïwan, on vend 10 fois plus qu'en Flandre au jour d'aujourd'hui. Mais on compte vraiment sur le partenariat avec Zeb et aussi toute une série de choses qui sont mises en place pour vraiment continuer l'expansion en Flandre. L'export pour nous représente une grande partie de notre chiffre d'affaires puisqu'on est présent dans plus de 10 pays et on est distribué dans un peu plus de 500 points de vente en Europe. Vorig jaar haalde J&Joy een omzet van 7 miljoen en het merk groeit elk jaar met 10%. Je pense que c'est vraiment la différence qui fait notre force. C'est clair qu'on ne peut pas plaire à 100% des gens, parce que pour ça, je pense qu'on peut faire du gris, du noir, du bleu marine. Nous, on a décidé de faire un produit qui est différent et qui est original, de par son packaging, de par son concept, de par les détails et de par l'entièreté de la collection. Nochtans had oprichter Pierre Omblin geen enkele ervaring in de modewereld. Si ce n'est l'expérience de moi en tant que consommateur, et je pense que c'est finalement la plus importante parce que c'était dans mon profil de consommateur, je n'arrivais pas à trouver le produit dont j'avais vraiment envie. Alors je me suis dit pourquoi pas le créer et pourquoi pas peut-être répondre aux besoins des autres personnes qui peut-être auraient les mêmes envies que moi et qui n'arriveraient pas à le trouver. Het ontwerp gebeurt nog altijd in België, de productie in India en Turkije.